les jours. Yasan konnichiwa, comment ça va? Check ma veste. Bleu, rouge, blanc. Veste chauffante à batterie. Quel bel objet! Quel bel objet! Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de gear, donc je me suis dit, je vais vous présenter mon truc pour faire des timelapses rotatifs, et ça pour moins de 2$ seulement. Regardez ce qui suit. Alors évidemment, oui, je suis au courant qu'il existe déjà ce petit bidule qui tourne pour faire des timelapses rotatifs. Ça existe, il y a des compagnies qui en produisent et c'est disponible sur internet ou dans les boutiques de caméras ou autres pour une somme tournant aux alentours de 20 ou 30$, si je me trompe pas. Mais sachez qu'il est possible de s'en fabriquer un à la maison et c'est pour vraiment pas cher. Donc si on regarde l'objet que moi j'ai fabriqué pour moins de 2$, on se rend tout de suite compte que c'est pas quelque chose qui est très technologique, mais ça fait la job et c'est ça qui compte. J'ai acheté au Dollarama une minuterie rotative, dans ce cas-ci en forme de champignon, et je l'ai fixée sur une base. J'ai pris la petite plateforme GoPro qui vient avec la caméra lorsqu'on l'achète, je l'ai collée avec de la colle chaude, en essayant de la mettre le plus droit possible. C'est important parce que quand le truc va tourner, c'est important d'avoir un plan qui est quand même droit. De l'autre côté, j'ai tout simplement collé la petite braquette GoPro qui vient avec la caméra lorsqu'on l'achète. Donc, il reste plus rien qu'à tourner le truc, insérer la GoPro en mode timelapse et regarder les résultats. Alors, c'est ce qui complète. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à défoncer la gueule au petit pouce en l'air situé juste en dessous de l'écran. On se dit à bientôt. Dans mon... Aïe!